Ah, vous êtes là! Alors, bonsoir! Et bienvenue à un autre épisode de Je bricole dans mon sous-sol. Hein? Je suis votre hôte, Greg Tompolsky. Parce que là, vous savez, Je bricole dans mon sous-sol, ça date. Hein? Ça doit faire... je pense qu'on est rendu à notre 23e saison. Là, ben, il y a du monde sur les internets qui nous écrivent, hein? Puis qui nous disent... Tu sais, Greg, moi, il y a 23 ans, là, je t'ai même pas encore pensé. Hein? Fait, comment est-ce que tu veux que je l'aie vu, moi, saison 1? Donc, pour faire plaisir à la demande générale hein, de notre ami Billy 2830, je pense qu'il s'appelait là, sur les internets, ben, on vous a concocté un petit spécial. Hein? Bon, fait que c'est ça que ça donne. Bonsoir et bienvenue à Je bricole dans mon sous-sol. Et cette semaine, nous allons parler de bois. Vous voyez ici, on a le marteau pour planter le clou. Très bien dans le bois. On a un exemple là. Bonsoir et bienvenue à notre émission de Je bricole dans mon sous-sol. Le slingshot de brosse à dents. Nous avons besoin cette semaine d'un clou ici. Le clou, évidemment. Ah! Je peux vous le montrer là, plus proche de la caméra, vous voyez ici. N'oubliez pas de sortir un élastique maison. Fait, pour être sûr, vous avez le son. Ça fait pas ce son-là, là, c'est pas de la bonne qualité. Très intéressant. Et voilà. Allez donc. Et ça fait beaucoup joli pour votre enfant. Des heures et des heures de plaisir. Je vais vous montrer une démonstration. Évidemment, la brosse à dents de votre fils ou bien de son frère, juste pour l'écœurer. Et voilà! Je vous en promets des nouvelles, vous m'appellerez au 800 je bricole dans mon sous-sol. Incassable, je vous le jure, c'est pas cassable. Mais c'est dangereux un peu pour les jeunes de moins de 12 ans. Ciao! Oubliez pas, hein! Le marteau! Puis le clou! Alors, bonsoir, j'imagine que vous m'avez tous bien reconnu. Greg Tompolsky de Je bricole dans mon sous-sol. Cette semaine, nous allons faire quelque chose de très intéressant. Un affaire qui va protéger votre enfant pour pas qu'il crisse le camp dans la piscine et qu'il se naye. Ici, on voit que j'ai planté trois clous à une distance d'à peu près... ça. À peu près ça, la distance, vous voyez. L'enfant s'approche de la piscine. Ah oui, je m'en vais, je m'en vais. Et là, ce qui arrive, c'est qu'il accroche le rideau. Les cicatrices, hein, c'est pas long. Hein. Des clous, là, cette grosseur-là, là, deux, trois mois, là, puis ça paraît plus. Hein. Ça paraît plus. Et n'oubliez pas, lorsqu'on bricole dans son sol, des protections, très important. On espère que vous serez là. Ciao! Alors, bonsoir et bienvenue à cette édition de Je bricole dans mon sous-sol. Édition été, comme vous pouvez le constater, nous sommes à notre destination cette semaine, Sorel. Très intéressant. Alors, nous faisons un petit tas égal, très doux. Si vous voulez, vous pouvez passer le rouleau compresseur dedans. Très solide, hein? Ça va où je fais une miette, ça. Nous utilisons la méthode « frotte-moi le bâton pour que je paye en feu ». Et vous frottez. Frottez longtemps. Longtemps. Le feu est pris, hein? C'est chaud. Nous vous suggérons oiseau de plage blanc ou gris, qui se cuit aussi assez bien, mais le problème, c'est de l'attraper. Ça cuit très rapidement. Regardez, c'est déjà prêt. Pas mauvais. Et ceci conclut notre super week-end. Je suis à Sorel. Notre prochaine destination, Moscou. Salut! Il n'y en aura pas d'autres des demandes de même. OK? Alors, merci d'avoir été là encore une fois cette semaine. Hein? Mais, je vous invite à encore une fois partager là, sur les réseaux sociaux, hein, les épisodes de Je bricole dans mon sous-sol. Et sur ce, ben, passez une bonne semaine. Hein? Et puis, on se revoit la semaine prochaine. Et d'ici là, ben, amusez-vous un peu! Tu sais? Je peux pas croire que mes cheveux avaient l'air de ça. Qu'est-ce que je pensais?